Bonjour mes tutoriels, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un réveil assez brutal aujourd'hui, mais on va faire avec. Il est 8h09 exactement et on est le 22 décembre. Et on va s'ouvrir la case numéro 22 de nos calendriers comme tous les jours au matin. Enfin matin, midi, parce que des fois je le fais après-midi quand j'ai pas le temps. Comme logiquement demain, il faudrait peut-être que je le fasse au soir pour vous l'avoir au matin. Enfin, je sais pas encore, je verrai bien avec monsieur tantôt. Sur ce, on va commencer les calendriers de l'avant. Ou seulement, on va berdeler et on n'avancera pas. Je prends le premier qui est Harry Potter. J'étais en train de réfléchir avant de l'ouvrir, parce que quand vous voyez les personnages, on l'a pas encore eu Hagrid, qui est juste ici. C'est vrai que je l'aimerais bien la voir, Hagrid. Hagrid, il est trop beau. C'est peut-être lui qu'on va voir aujourd'hui. On croise les doigts. Est-ce que j'ai un instinct? Allez, la case de 22, elle est juste ici. C'est un gros sachet. Hagrid est quand même pas petit. Je pense bien que ce doit être Hagrid. Dans la façon que je vois. C'est Hagrid. J'ai deux mains. Non, je savais qu'il allait tomber, mais quand pas du tout. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Là, il a un sapin. Il a le sapin de Noël dans ses mains. Regardez, il faut qu'il se fasse. Il est beau, Hagrid. C'est un beau personnage, je trouve, Hagrid dans Harry Potter. Voilà. Du coup, on va regarder ce calendrier-là qui ressemble plus à rien. On a le 24 qui est juste là, mais c'est pas ça qu'il faut. On veut la case 22 qui est juste ici, de l'autre côté du 24. Elle était à moitié ouverte. Parce que mon chat est au-dessus. C'est un, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un tube que je sors. Du coup, il nous restera la 23 qui est juste ici au-dessus et la 24 qui est là en dessous. Mais en fait, je crois que les deux, je vais devoir les faire en avance. Je suis là. Du coup, on a eu ça. Vous n'avez pas trop bien voir avec la lumière. C'est un beau petit tube. Et du coup, c'est une crème de jour. Voilà, c'est une crème de jour. J'ai ma belle-mère qui m'ennuie aujourd'hui. Ils sont bien. Bah ouais, je sais. Voilà, je lui montre mes Diamond Painting que j'ai acheté. Du coup, on a ouvert ça. On va ouvrir la petite bougie du jour. Il est en train de s'ouvrir de partout aussi, celui-là. La case 22, parce que je suis perturbée avec ma belle-mère au téléphone. Je pensais avoir le temps de monter la vidéo en même temps et de la mettre en attendant que je m'en vais, mais je veux la voir dans le pépette. Elle est petite, il me semble. Elle se trouve juste ici. Elle a l'air plus petite que les autres, il me semble. Non, c'est enfin vraiment la taille de la bougie, quoi. Pas plus grand, pas plus petit, c'est ça qu'il y a. Et c'est une rouge, comme j'aime bien en plus celle-là. Elles sont bonnes, celles-ci. Ah ouais, elles sont bonnes. Une rouge, toute mignonne. Voilà, du coup, on a déjà fait 3 calendriers. Il nous en reste 3. Hop, on va faire les chocolats que j'attrape. Du coup, on va faire celui du Kinder. C'est vrai que l'appareil photo a bougé un petit peu. Le Kinder, la case 22, elle est où? Elle est là. C'est un cadeau. Oh, fichu. C'est pour monsieur. C'est le riz soufflé que je n'aime pas. C'est pas bon le riz soufflé.
tout ce qui est tarte, crème au riz, tout ça, tout ce qui est dessert au riz, je suis pas fan du tout. Du coup, je reprends l'autre calendrier de chocolat, le 22, il est juste ici. Hier, on a fait le vidage. C'est un petit pingouin, j'ai dit. C'est un petit pingouin, petit pingouin, petit pingouin, coin, coin. Ouh là là, ça va plus chez moi. Oh là là, la fatigue est là. Et du coup, pour le dernier calendrier de l'avant, je déchire. Moi, pourquoi pas. C'est le Jack. Je l'avais ouvert. Je regardais parce qu'il se déchire là, à la langue d'ouvrir. Je sais pas, vous n'allez pas voir, mais là, il se déchire. Tout ça, ça se tire à la langue d'ouvrir et fermer. La case 22, elle est juste ici. C'est un petit sachet blanc. Demain, il est turquoise. C'est un grand sachet. Grand sachet. On voit rien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je sais pas. Encore? Oh, mais qu'il est beau. Encore un zéro. C'est le troisième zéro qu'on a. Mais je sais pas si vous allez voir. Il est tout pailleté. Vous n'allez vraiment pas le voir, c'est ennuyant. Il est tout pailleté. Avec la lumière, ça ne range pas non plus. Et tout pailleté. On voit pas les paillettes. En fait, j'en avoir plein sur les mains. Tout pailleté, mais c'est zéro quand même. 3 fois 0. On a eu un zéro normal, un pailleté, et l'autre c'était quoi? Un transparent, je crois. C'est vraiment pas le top, top, top. Hein. Top, top, top. Hein. J'aime pas, on voit mes oreilles. Voilà, voilà, voilà. J'ai ouvert tout. Tout, 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 tout. Ça va trop vite. Et en plus, c'est les avant-derniers jours. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous dis... Ah oui, je vous ai pas montré aussi mon beau t-shirt de Noël. Regardez mon beau t-shirt de Noël. Il est pas trop beau, mon t-shirt de Noël. Je vous ai un peu spoilé la box, mais tant pis, il est trop beau mon t-shirt. Du coup, sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve pour une... demain pour la case 23 du calendrier de l'Avent. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes peut-être allé voir mon t-shirt parce que je pense que je vais les ouvrir 23 et 24 de ce soir, enfin quand je rentre. Parce que là, je vais aller voir mon papa qui s'est fait opérer. Mais il est chez lui, hein. Je vais aller voir chez lui pour voir s'il ne faut pas un coup de main. Parce qu'il ne peut pas bouger. Du coup, voilà. Et sur ce, ben, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la case 23. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et un petit commentaire avec plaisir. J'adore répondre à vos commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour la case 23. Bisous, bisous, bisous.